Bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Bitbank en coin, voilà, cette crypto-monnaie utilitaire a été lancée ce 24, hein, ce 24 juillet 2023, c'est la première phase. Et je vous rappelle qu'il y a encore trois autres phases et à chaque phase, le prix grimpe. À chaque phase, c'est x2 l'investissement. Donc, c'est pourquoi il faut profiter de cette période, de cette première phase-là et l'acheter. C'est à 0,002 $. Et je rappelle que cette crypto-monnaie est gérée par la société Lunes, une société en partenariat avec des banques. Et avec des banques locales, régionales, internationales, donc des institutions traditionnelles. Ou si vous détenez cette crypto-monnaie-là, vous avez cette crypto-monnaie-là en holding, en staking, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est que ça représente simplement une parcelle. Ça représente deux parcelles. C'est-à-dire, vous l'utilisez comme titre foncier pour aller effectuer de prêts auprès de ces institutions bancaires partenaires de Lunes qui gèrent la crypto-monnaie Bitbank. Mesdames et messieurs, voilà, nous avions déjà fait un tutoriel avant même le lancement et ça a été très difficile pour les gens d'acheter la monnaie aujourd'hui, en tout cas ceux de notre communauté bien entendu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un tutoriel en live pour montrer aux uns et aux autres quelles dispositions prendre pour acheter facilement sa crypto-monnaie Bitbank Coin avec Trust Wallet. Avec MetaMask, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Mais avec MetaMask et avec Trust Wallet, c'est un peu, voilà, on peut le dire comme ça. Donc, moi, la stratégie que je vous suggère, c'est d'aller prendre le lien directement. On va passer directement par PinSale, d'accord, pour aller vite, parce que c'est aussi une question de temps. Pour aller vite, donc, j'irai prendre le lien. Ce lien sera déposé en bas de ce tutoriel. Et pour être complètement clair avec vous, c'est que si vous utilisez ce lien-là pour acheter votre crypto-monnaie, c'est que moi, je vais bénéficier de 0, je vais bénéficier de 5% comme mon parrainage. Vous comprenez? Et vous aussi, si vous faites de même, vous allez bénéficier. Donc, c'est donnant-donnant. Hein? Donc, je copie le lien, d'accord? Je fais appui long, je copie le lien. Je vais dans mon Trust Wallet. D'accord? Je vais dans mon Trust Wallet. Et une fois dans le Trust Wallet, je vais coller ça dans la barre de recherche en haut là-bas. Là. Je colle et puis je lance. Ça va me diriger directement vers la plateforme PinSale. D'accord? C'est PinSale que nous allons utiliser pour acheter la monnaie. Donc, voilà, je vais signer rapidement. Si vous avez de code sur votre Trust Wallet, donc vous signez, bien entendu. Et je rappelle hein, au passage que le minimum à avoir dans son portefeuille pour pouvoir acheter la monnaie, c'est 25 $ minimum et le maxi, c'est 1 000 $. Je rappelle aussi hein, qu'il faut vite passer, il faut vite aller acheter parce que c'est seulement, pour la première phase là, c'est seulement 8 millions de pièces. Donc, lorsque les baleines vont se réveiller, avant vous, c'est que c'est fini. Vous irez acheter à 0,003 $. Ça veut dire l'investissement. Ceux qui ont profité, ceux qui auraient profité de cette première vague-là, donc ça fait déjà fois deux. Vous comprenez? Alors, donc ici, nous allons activer le DAP. D'accord? Nous allons activer ce que nous appelons le DAP là. Nous allons l'activer. Vous savez comment ça se fait? On vient juste ici, paramétrage et paramètres. Hein? On clique là. Et voilà, c'est la routine. Hein? Et puis, on descend légèrement. On choisit préférences. Qui est là et on clique sur navigateur d'app. Donc je clique là et j'active la cloche de je clique sur la notice sur la cloche de notification là. Bon, en fait, ce que vous avez vu là, et là nous avons notre navigateur. Regardez de la gauche à droite, 1, 2, 3, 4 navigateur. D'accord, je vais cliquer sur navigateur. Donc quand je clique sur navigateur en haut ici là, vous avez vu, il y a une recherche où saisir l'URL du site. Je vais faire appui le long ici et je colle. Et vous avez vu, PinSale est là. Et à droite, en bas complètement, il y a un cercle là. Comme en fait le bouton de recherche là. Je vais cliquer là-dessus. Ça dépend, je ne sais pas, le téléphone que vous utilisez. Donc ça dépend. Et vous savez comment ça fait. Et en fait, comment ça se passe chez vous, vous savez. Donc ça va nous diriger directement vers la plateforme PinSale. D'accord? On reste patient. Ça nous dirige directement vers la plateforme PinSale. Voilà, PinSale se charge. Et je rappelle une fois encore que. Ici, là, vous avez besoin de 25 $ USDT BEP20. C'est le réseau Smart Chain. D'accord? Et donc, quand on dit réseau Smart Chain, le frais de gaz, mais les frais de gaz, c'est Binance. Donc, Binance Smart Chain, si vous voulez. Donc, ici, on aura besoin d'environ 0, bon, on aura besoin de 0,5 $ ou bien, bref, 1 $. Si vous avez 1 $, vous allez faire effectuer les achats et ça pourrait vous rester encore un peu dedans pour que vous puissiez aussi effectuer d'autres
transaction. C'est vraiment important. Alors, donc là, nous sommes sur la plateforme et Bitbank Coin. Voilà, Bitbank Coin Précile. Et avant qu'on aille en bas, d'accord, avant qu'on aille en bas pour effectuer l'achat proprement dit, on va se connecter au portefeuille. D'accord, on va se connecter au portefeuille. Donc, nous allons cliquer juste ici. Un instant. On va cliquer sur connaître qui est en haut là. D'accord, ici là, on va cliquer là. Donc, il faut le faire d'abord. Si vous ne faites pas ça, tout ce que vous allez faire en bas là, c'est nul. Ça ne va rien donner. Donc, quand vous cliquez là-dessus, voilà ce qui s'affiche. Vous avez une wallet, tout ça là. Donc, on va cliquer sur Trust Wallet. D'accord, je vais cliquer sur Trust Wallet. Donc, je clique sur Trust Wallet. Voilà. Mais là, c'est quand même bizarre. Bon, en fait, il se peut arriver que ce qui tourne là, Waiting for Connection, il se peut que ça vienne d'abord avant que les wallets... Ah, non, c'est bien ça. Voilà, donc ça tourne. Et en bas, maintenant, ça va nous donner... ça va nous présenter encore une série de wallets. Bon, en fait, on va suivre la procédure ensemble et puis vous allez voir. Voilà, c'est progressivement en cours. Donc, soyez patient. Soyez patient. Et cette crypto-monnaie, il faut l'avoir forcément dans son portefeuille. C'est très important. C'est une crypto-monnaie utilitaire. Et vous savez comment ça se passe en crypto-monnaie. Rien n'est impossible. Je dis, c'est le monde de rien n'est impossible. Ce qu'on demande juste, c'est, comment on appelle ça? C'est de la patience. Mais vous savez, ici, cette crypto-monnaie, quand nous parlons de Bitcoin, c'est une crypto-monnaie utilitaire. Une crypto-monnaie dans laquelle vous investissez, c'est que vous avez la garantie, d'accord, vous finissez avec les demandes de garantie par-ci, par-là, des représentants, des gens qui vont venir représenter, raconter toute sa vie au voisinage ou bien quoi, je ne sais, au voisin avant de... Non, vous avez fini avec ça. Vous voyez un peu, vous avez fini définitivement avec ça. Donc, il faut avoir la crypto-monnaie là pour pouvoir effectuer de prêts auprès des institutions bancaires. Vous voyez un peu, parce que vous avez la crypto-monnaie. Donc ici, voilà, vous allez cliquer sur Select Wallet. Donc, je clique sur Select Wallet. Regardez en haut, si ça prend, vous allez voir que... un trait va défiler là. Donc, ça n'a pas encore pris. Je vais cliquer encore une fois. Ça n'a pas pris. Oh, c'est les toilettes. Je pense que là, c'est bon, je crois. Hein? Voilà. Et ça vous dirige directement ici. D'accord? Donc, c'est ce qui est en haut là. D'accord? Vous avez vu le logo. C'est le même logo qu'on a vu là-bas. Donc, c'est ce machin. D'accord? C'est ça qui est en haut. En tout cas, pour mesure de sécurité, moi, je vais cliquer dedans d'abord. Et je viens en bas maintenant. Je vais cliquer sur connecter. Donc, vous cliquez sur « Connecter » là. Voilà. Et vous restez calme. D'accord? Vous restez calme. Et lorsque le portefeuille va se connecter maintenant à à la plateforme, vous allez voir que « Connecter » qui est en haut là va disparaître. Et ça va laisser place au logo de Trust Wallet. Vous voyez? Et on va descendre maintenant pour voir. Parce que quand c'est fait, vous allez en bas, vous allez voir le solde. Vous allez voir directement votre solde. D'accord? C'est très important. Vous allez voir directement votre solde. Un instant. Voilà, le chargement est en cours. Vous allez voir directement votre solde. On se calme. Un instant. Voilà. Donc, vous avez vu que le logo est venu. D'accord? Un instant. Donc, quand vous avez ça, là, c'est fini. Voilà, le logo est venu. On va descendre maintenant pour aller voir. Vous allez voir le solde désormais. D'accord? Vous allez voir le solde désormais. Donc, on attend un tout petit peu. Voilà, ça se charge. Le chargement est toujours en cours. Le chargement est en cours. Un instant. Donc, voilà. Le chargement est toujours en cours. C'est bon. Donc, on peut commencer par aller en bas. Et vous allez voir que le solde serait là. Voilà, le solde serait là. Donc, je viens. Voilà le solde qui est là. Les 27 dollars. Vous avez vu? Les 27 dollars. Les 27 dollars. Les 20... Qu'est-ce que je fais là? Un instant. Je suppose que vous avez vu. Hein? Les 27 dollars sont là. D'accord? Donc, on va cliquer maintenant sur acheter. C'est où ici? On met d'abord la quantité. On met la quantité. On doit mettre la quantité ici. Donc, moi, je mets 27 dollars.
Je mets 27, je monte légèrement et je clique sur Enable USDT. On se calme et ça me donne la main. Et puis paf, j'achète ma crypto-monnaie. C'est très simple. Un instant. Voilà. La connectivité est en cours. Et quand vous finissez d'acheter, c'est fini. Vous rentrez dans votre portefeuille. Donc, vous cliquez, vous avez vu, les frais, c'est très minime. Hein? Donc, je clique sur confirmer. En bas là, d'accord, je clique sur confirmer. Je mets mon code. Et puis voilà, j'ai acheté ma monnaie comme ça. Approuvé USDT, c'est en cours. C'est très intéressant. Voilà, et ainsi, j'ai acheté ma crypto-monnaie Bitbankcoin. C'est énorme, voilà, le smart contract, vous avez vu. Vous avez vu le smart contract. Donc, je vais, voilà, buy with USDT. D'accord, buy with USDT. Bon, là, on va cliquer, hein, on va cliquer pour finaliser définitivement l'achat. Voilà, et l'achat est en cours. L'achat est en cours, la finalisation de l'achat est en cours. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Voilà, donc le second appel de contrat, c'est vraiment intéressant et ainsi, on est en train de finaliser l'achat. J'approuve, ça fait 0,29$ comme frais de garde plus 0,004 et c'est terminé. Voilà, ainsi vous avez acheté votre crypto-monnaie, Bitbankcoin. C'est en cours. Voilà, voilà, la monnaie est achetée. Félicitations. Voilà donc, l'étude, nous avons fini d'acheter notre crypto-monnaie Bitbankcoin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, regardez, dans la parenthèse là, on voit amount, c'est-à-dire ce qui reste. Hein, si je décide encore de revenir acheter, je ne peux que investir 973 pour dire que le maximum, c'est 1000$. Alors, en dehors de ça, quand on descend légèrement, on voit ici que ce que j'ai investi, c'est bien là. Les 27$ que j'ai investi, c'est bien là. Voilà, you purchased 27$ USDT, d'accord. Maintenant, au-delà de tous ces constats, au-delà de toutes ces remarques, il faut retenir que la méthode qui marche, d'accord, la méthode qui marche, c'est d'aller prendre le... Vous prenez le contrat et vous allez dans votre Trust Wallet et vous activez le DAP comme nous l'avions fait au début et vous collez dans la barre de recherche. Si vous faites une fois et ça ne marche pas, retournez car il faut aller effacer, d'accord? Il faut aller effacer le cache, d'accord? Il faut aller effacer l'historique, d'accord? Avant de revenir, d'accord? Avant de revenir sur la page et aller effacer l'historique, ce n'est pas du tout compliqué, hein? Ce n'est pas du tout compliqué. Peut-être que je vais vous montrer avant de prendre congé de vous. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qui reste? Maintenant, la réclamation. La réclamation va venir, c'est-à-dire que juste, vous voyez, là où vous avez Emergency Withdraw là, d'accord? Là où vous avez Emergency Withdraw ici là, c'est que vous allez voir que après, à la fin de la vente, de la pré-vente là, c'est que vous allez voir là systématiquement claim, c'est-à-dire réclamer. Et c'est là que vous allez venir tout simplement, vous passez par votre Trust Wallet. Donc ici, on a utilisé Trust Wallet, donc vous copiez le contrat. Et en fait, vous copiez l'adresse de PinSale que vous allez venir coller dans la barre de recherche que je vous ai, par la barre de recherche par laquelle on est passé là. Vous collez dedans, ça va vous rediriger directement vers ici, ou bien vous allez vous connecter simplement et vous réclamer. Donc vous cliquez sur Claim ici et vous allez recevoir vos jetons dans votre portefeuille. Donc les jetons achetés à 0,002$. Je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir pour le compte donc de ce tutoriel. Quand vous venez ici, vous allez voir votre lien de parrainage, d'accord, le lien d'affiliation, c'est ça qui est là, d'accord, et vous copiez ça. Donc vous copiez votre lien de parrainage là. Donc quand vous copiez ce lien là, donc voilà, ici maintenant c'est mon lien de parrainage. Donc je copie ce lien là et je vais envoyer, c'est ce lien que je vais déposer en bas de ce tutoriel-là que vous allez utiliser pour, c'est ce lien que vous allez utiliser pour vos
pour acheter votre monnaie, d'accord, pour acheter Bitbancoin. Et quand vous faites, et quand vous l'utilisez pour acheter votre Bitbancoin, moi, je vais prendre systématiquement, j'aurai systématiquement 5%, d'accord. J'aurai systématiquement 5% de Bitbancoin. Donc, c'est très intéressant. Et voilà tout ce que je tiens à vous dire. Attention, tout investissement est risqué. Donc, l'investissement en bourse, c'est risqué. Investissement, tout investissement comporte de risques. Il ne faut jamais investir l'argent dont vous êtes prêt et l'argent dont vous auriez besoin le lendemain. On ne prend pas la scolarité des enfants pour aller jeter, pour aller investir en bourse. Attention, c'est très important. Donc, investissez, on n'a pas le choix. Si on veut devenir riche là, on n'a pas le choix que d'investir. Il faut investir, mais il faut savoir investir. En tout cas, la main sur le cœur, moi je reste convaincu quand même que Bitbancoin est une monnaie utilitaire qui va rendre les gens millionnaires les jours à venir. Et c'est une monnaie que vous pouvez utiliser pour effectuer donc des prêts bancaires. Donc, parlant de comment supprimer le cash, il suffit simplement de rentrer dans votre Trust Wallet. On y va rapidement pour mettre fin à ce tutoriel. Est-ce que Trust Wallet est quelque part ici? Oui, bien entendu. Trust Wallet, bon, on va rentrer dans Trust Wallet directement, non pas par là. On va rentrer dedans directement pour que je puisse vous montrer cela avant de prendre congé de vous. Donc, il faut profiter de la première phase pour acheter Bitbancoin. C'est une crypto-monnaie utilitaire qui va vous permettre, en fait, quand vous avez ça, ça fait office de parcelle directement. Et ici, c'est du concret. Ce n'est pas les blablabla. C'est du concret. Voilà. Donc, ici, quand vous rentrez dans votre toilette, vous regardez ici, c'est ce qu'on appelle cache ça. Quand c'est là, vous tentez de vous connecter, ça ne va jamais marcher. Donc, ici, ça là, voilà, là, ça ne prend pas un instant. Donc, ceci là, ceci que vous avez vu, pincer le nom. Donc, vous venez là, vous supprimez ça, vous cliquez simplement sur la flèche qui est à droite là, donc en haut là, historique, devant historique, vous faites comme ça et la poubelle qui est en haut, vous cliquez dedans et vous supprimez. Donc, quand vous supprimez, paf, c'est parti, vous venez maintenant coller dedans. Quand vous collez votre le lien de Pincel directement, systématiquement, ça va prendre. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais vous dire? Je pense que c'est tout. Merci pour votre qualité de visionnement et on garde le contact pour le sommet. À très très vite et n'oubliez pas, Bitbancoin, c'est la monnaie de l'avenir. Et il faut utiliser mon lien de parrainage. Il faut utiliser mon lien de parrainage. Et quand vous finissez, vous partagez également vous votre lien de parrainage à vos amis. C'est très important. Ça va vous permettre de vous faire beaucoup d'argent. Merci beaucoup et à très vite.